Ciao! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos et c'est la spéciale Noël. Ça se voit pas du tout. Oh non. En fait, c'est Pâques. C'est Pâques. C'est Pâques. Ou Halloween. Ou Halloween. C'est vrai qu'on fait peur. On peut faire un mélange des deux, si vous voulez. Bref, comme vous avez dû le voir dans le titre de la vidéo, on vous fait DIY. des DIY. 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 Je trouve que c'est trop compliqué à dire. DIY, hein. En bon français. Do it yourself. Ça doit pas être ça. Fais-le toi-même. C'est des DIY. Bref, voilà, des DIY. Donc vous allez voir de la déco et de la bouffe. Parce que c'est important la bouffe. C'est la vie. C'est la vie. C'est parti. On vous laisse regarder tout ça. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à la partager à tous vos amis. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Tous les liens seront en description. Et voilà. Enjoy. Pour faire cette verrine, il faut une pomme, du saint-mauré, du curry et des crevettes. Je commence par éplucher ma pomme et la couper en petits morceaux pendant que Charlotte mélange le saint-mauré avec le curry. Mettez-en autant que vous voulez, c'est selon vos goûts, mais nous on n'en a pas mis beaucoup parce que nos testeurs n'aiment pas trop ça. Bien évidemment, on a goûté. Pour monter la verrine, c'est tout aussi simple, quelques morceaux de pommes au fond, puis on ajoute le saint-mauré et pour finir on ajoute deux crevettes et c'est fini. C'est une recette fraîche, simple et bonne, idéale pour les repas de Noël car on mange toujours trop. Faites-en autant que vous en avez besoin. Nous, on n'en a fait que 4. Mais c'est pas très grave. Enfin, c'était juste pour goûter. Donc maintenant, on peut vous dire que c'est juste parfait.
Pour cette petite brochette, il nous faut juste du saucisson et du camembert. Il suffit de couper le saucisson en tranches, pas trop fines mais pas non plus très épaisses, et couper les bouts de camembert. Il suffit de mettre sur le pic un morceau de saucisson, un morceau de camembert et ainsi de suite. Nous avons remarqué qu'avec le brie c'est mieux car ça donne un peu moins de goût et le goût du saucisson ressort mieux. Maintenant vous avez toutes les clés en main pour faire un Noël parfait, bien préparé. Vous laissez des commentaires, montrez-nous ce que vous avez fait. On vous embrasse, à bientôt pour une prochaine vidéo !